L'emploi des jeunes, ça passera par la dynamique des entreprises. Parce qu'il n'y a pas un secret. On peut pas, ou alors on embauche tous les jeunes comme un fonctionnaire. Mais au niveau des jeunes, un exemple, dans l'apprentissage, on avait des crédits d'impôt quand on formait, qui sur un contrat de 3 ans, on a perdu 3 200 euros d'aide. Quand l'État nous a enlevé en crédit d'impôt. Et quand il y avait des jeunes stagiaires, quand on avait un petit qui venait à l'entreprise, moi, je lui donnais 100 euros par semaine. Ça correspondait au crédit d'impôt que j'avais. Donc, ils repartaient à la fin du mois avec un petit chèque de 400 euros. Ça leur payait les frais plutôt que les parents payaient. Oh, ben, on a enlevé ces aides-là. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur et ça coûte de plus en plus cher à une entreprise de former un petit. Parce qu'aujourd'hui, nos petits d'aujourd'hui, c'est nos entrepreneurs de demain. Et moi, je voudrais qu'on fasse sauter le verrou de 25 ans au niveau de l'apprentissage.